Ce samedi 11 juin, en Angleterre, tout le royaume célébrait les 90 ans de la reine Elizabeth. Une souveraine qui a fait forte impression avec un choix vestimentaire des plus modernes. La reine portait en effet une robe vert fluo qui ne manquait pas d'attirer l'attention. Comme chaque année, la reine Elizabeth a pu apprécier le légendaire défilé militaire Trooping the Colour avec 1500 soldats et 300 chevaux. Mais les vraies stars de cette journée étaient sans conteste Kate Middleton, la princesse Charlotte et son grand frère le prince George. La reine d'Angleterre a fait son apparition au balcon de Buckingham Palace. Avec à ses côtés son époux le prince Philippe, 95 ans. Et si le royaume était à la fête, les Londoniens nés n'avaient que pour Kate Middleton son époux William ainsi que ses enfants Charlotte et George. C'était, en effet, un jour particulier pour la princesse qui faisait sa première apparition officielle. Il y a quelques jours, sa maman faisait des révélations sur son caractère et on apprenait notamment que la princesse était déjà une icône de mode au caractère bien trempé. Ce samedi 11 juin, devant les Londoniens venus nombreux pour l'admirer, la princesse Charlotte a réussi à faire chavirer tous les cœurs. À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent et journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter la veine Tour Danse avec les stars 1. Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.